Bonjour, bonjour à tous, c'est Orle Viking, on se retrouve aujourd'hui sur Planète Zoo pour la suite de notre aventure sur ce jeu. Nous avons un souci, d'enregistrement, puisque problème de mise à jour, pilote graphique ou je ne sais quoi, on a eu un crash du jeu qui a coupé l'enregistrement derrière, qui ne s'est pas relancé tranquillement, je m'en suis rendu compte trop tard. Du coup, on a fait tout un enclos sans vous. Nous sommes en live Twitch, bonjour à Wolf, VR, Skyron, Azerty, Jaguar, Tact, Timothy, Cool, Crow, etc. Bonjour tout le monde. Et du coup, nous sommes venus réinstaller nos tortues géantes des Galapagos à l'entrée de la zone Amérique du Sud, du coup. Donc on a fait ceci, je vous présente quand même, parce que bon, Fiona, vous étiez pas là. On a fait ceci. Donc là, on a le premier enclos qu'on avait fait, qui est donc l'enclos Tabanoir, hein, très bien. On voit pas grand-chose, et en plus, l'enclos est très profond, donc voilà. Et puis on peut aussi partir sur la droite, ici, pour monter et venir observer les tortues géantes des Galapagos qui sont ici. Pour l'instant, elles sont posées là-bas, mais... Elles vivront tranquillement leur vie. Et du coup, c'est un enclos ouvert, un enclos qui n'est pas terminé sur le côté là, parce qu'on va voir en fonction du prochain enclos. Et on peut aussi, bien évidemment, revenir par ici et monter. Alors déjà, regardez là, hein, forcément. Ce qui est plutôt cool. Hein. Et aussi monter pour aller sur une plateforme d'observation qui est juste ici, qui est au-dessus de leur zone. Pour faire dodo, et ce qui donne une autre vue dans l'enclos. Donc en vérité, je pense qu'on est pas mal en termes de point de vue. Ah, bah ça c'était pas vu. Ça c'était pas vu par contre. Donc ça va être simplement descendu en vérité. Hein. Ah, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Ensuite, je vous montre l'enclos. C'est exactement le même que celui là-bas au bout, sauf qu'on l'a... adapté à la zone. On l'a adapté à la zone. Donc c'était cet enclos là ici. Et on l'a un tout petit peu adapté. Pas plus que ça en vérité hein. En vérité c'est même complètement le même quoi. C'est même complètement le même. Ah, il y a moins de fleurs. Tiens, j'ai pas tout ça. J'ai pas mes Wimba au fond là. Oula, mais j'allais m'ajouter mes Wimba là. J'aimais bien ça. Ah ouais, c'est ça qui manque. J'ai pas mon Wimba. Ah, attendez, je vais mettre un Wimba, du coup. Je vais garder juste un œil sur ça. Là. Et le Wimba, du coup. Nature. Wimba. Ah bah voilà, tout de suite. Voilà quelque chose de plus dense. De plus... extraordinaire. Oh, je sais plus comment je l'avais mis, par contre. Je trouve que c'est même pas celui-là que j'ai mis. Si, c'est probablement celui-là que j'ai mis. Comme ça. Comme ça. Un truc comme ça. À peu près, quoi. Et on passe à 56%. Je ne mets pas le Wimba. Je ne mets pas le Wimba. Tant pis, c'est pas grave. Et du coup, voilà. Donc, on a fait un peu le tour. Maintenant, nous allons passer sur l'enclos tapir. L'enclos tapir qui sera ici. Et on va voir un petit peu comment on l'installe. Donc, ça va être l'objectif de cette vidéo, tout simplement. Avec un copier-coller, quoi. J'aurais bien voulu rester plus longtemps pour voir leur tapis. Bah écoute, j'ai l'habitude de dire personne t'en empêche. En espérant que ça ne crache pas. Ça ne crache pas. Très bien. On fait ça. Je l'ai déjà mis lui. Je l'ai déjà celui-là. Je suis en train de me le dire. Enclos tortue, en sapajou, tapir. Je l'ai déjà l'enclos. Pardon, pardon. On avance. Alors, comment on l'installe du coup cet enclos? Comment on installe cet enclos? J'aurais bien aimé amener l'eau de l'enclos tapir tout le long ici pour venir atteindre là. Ça, ça aurait pu être sympa. Ça, ça aurait pu être sympa. Tapir. Il est grand. L'enclos est grand et j'aime beaucoup l'idée.
J'aime beaucoup l'idée en vérité parce que ça va me permettre d'amener la route ici qui va être entre les deux enclos, quoi. Et en même temps venir prolonger là-haut, quoi. C'est très bien en vérité. C'est vraiment parfait, quoi. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Bon, il va être modifié cet enclos, j'ai l'impression. J'ai l'impression que cet enclos sera modifié. Ou alors je le mets là. Comme ceci. Ici, je pourrais mettre quelques magasins. Hop. Et on revient ici en longeant l'enclos tapis. Je pourrais faire un truc comme ça. Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Rien en vérité. Rien ni personne. Terrain. Allez. J'enlève ça. J'ai pas besoin d'enlever autant. Mais c'est pas grave. J'ai presque envie de dire, je vais enlever ça aussi. Pour être sûr de pouvoir poser sans avoir de problème avec la route. Puisque celle-là, au final, elle a sa place pour monter, mais c'est pas gênant. Terrain. Tapis. Alors, fais voir un peu. Comment tu es? Si je fais ça déjà, ça ne passe pas. Ça me dérange pas. Et c'est pas surprenant puisque ça c'est là-bas. Ce serait pas si mal, j'aurais juste à casser la clôture ici pour la faire descendre. Ça passe déjà? Ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passerait pas? Parce que là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose qui gênerait en vérité. Qu'est-ce qui gêne? Je peux encore me permettre de reculer, mais j'ai pas envie non plus de le reculer beaucoup. Je peux faire ça maximum quand même. Pourquoi est-ce qu'il veut pas se poser là? Ah, j'ai enlevé la route et tout, je me suis dit. C'est là? Ah, c'est peut-être ça. Attends. C'est peut-être ça parce qu'il va y avoir trop de changements de terrain. Ah, j'y ai cru. J'y ai cru. Volant. Non, non, c'est pas le problème. On peut mettre volant. C'est la terraformation, on va se faire en dessous. C'est pas dramatique. Attends, si je fais ça. Pourquoi ça gêne?
Ah, bah, je veux la même chose, mais je le veux là, quoi. La même chose, mais là, quoi. La même chose, mais là, quoi. Quoi, mais c'est pas vrai, hein. J'ai pas demandé autant. J'ai cliqué un coup, les gars. Il a complètement craqué, lui. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je fais un retour en arrière, il me remet toutes mes routes. Ah, très bien. Très bien, très bien. Bon, du coup. Je vais faire une sauvegarde, on sait jamais. On sait jamais. On a plani toute la zone. Non, c'est pas le problème. T'as bien vu que là, je l'ai posé en hauteur et la terraformation se fait. Normalement, le terrain est censé s'adapter, quoi. Le seul truc éventuellement qui peut gêner, c'est ça, quoi. Parce qu'il y avait peut-être une petite bosse. J'en sais rien, en vérité, hein. Je pense pas. Ou alors, j'enlève la clôture ici. Juste le temps de poser. Juste le temps de poser le truc. Si jamais ça venait de là, ça peut régler le problème. Parce qu'en vrai, j'étais loin quand même. J'étais loin des routes, loin de tout, donc... Alors. On se met comme ça. On se reculer par ici. Je comprendrai que ça passe pas. Oui! Pardon, excusez-moi, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais pas. Et c'est bah, quasi parfait, quoi. Donc, extraordinaire. Extraordinaire. Bon, il va falloir qu'on gère un petit peu pour la terraformation de l'ensemble, mais c'est excellent. C'est excellent. Ce qui fait que t'arrives là, boum, t'as l'enclos ici. Oh, j'ai presque envie de le décaler encore un peu. Ah, du coup, c'est là que ça a gêné, je pense, avec la clôture. Bon, est-ce que je... Ah, ça s'est pas gagné, par contre. Est-ce que je peux creuser là? Je peux creuser là. Je peux creuser là. J'ai juste à venir poser ma route, quoi, du coup. À la faire passer, quoi. Alors, attendez. Je vais me mettre en 5. Tu vas m'enlever quand même la clôture ici. Là. Pour être sûr de pouvoir terraformer sans que tu me gèles. Là, il n'y a pas de clôture. Terrain. Je vais faire ça pour l'instant. Là, on va avoir le problème de l'eau. On va avoir le problème de l'eau, mais je peux toujours enlever l'eau, c'est pas gênant. Terrain. J'aurais juste à la remettre.
En vrai, en plus, la route qui arrive ici, elle est pas très large, donc normalement, je devrais pas avoir de problème particulier pour l'amener. Allez, enlever ça. Elle était de 6. Non, 5, donc ça va. Ta-ta-da-ta. De ça, terrain. Lycée là déjà là. Et je pense qu'ici t'aurais besoin de... la qualité là. Ouais, là c'est pas fou ici. C'est pas fou ici. Après ça a l'air d'être à peu près correct. Bon, normalement ça devrait le faire. Hein. Ah. Normalement ça devrait le faire. Excellent, excellent, excellent. Alors, attendez. Ici, c'est 8. Ça, j'en veux pas. Allez. J'ai presque envie de venir frôler plus ici. Qui me permet potentiellement d'élargir un peu la route là pour faire à peu près la même chose que là-bas. Je sais pas si j'ai été très clair, mais en tout cas... j'ai dit ce que je voulais. Comme ça. Ouais, bah écoute, comme ça. Du coup, il faut que je referme cet enclos.
Ils peuvent pas y aller de toute façon, donc je peux parfaitement mettre full invisible. Je remets l'eau ici. Et voilà. Hein. C'est pas dégueu en vérité. Hein. C'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Hein. Je fais une sauvegarde. Pour pas avoir à le refaire. Ah, ça avance, c'est bien. Zone de travail, ouais, bien vu ça. Même pour l'autre enclos, j'ai oublié de mettre. Enfin pour bah du coup ces enclos là puisque j'étais dessus. Mais je verrai après parce que je suis pas à l'abri de recasser des murs. Terrain. Est-ce que je peux mettre une route ici? En alignement sur la clôture. Non mais attendez, mais c'est extraordinaire ce qui se passe quoi. C'est extraordinaire! C'est extraordinaire ce qui se passe. Tout ce que je veux faire, ça fonctionne direct, quoi. C'est pas grave, ça. C'est dégueu, c'est pas grave. On va le cacher. Ah, ça gêne plus, ça. Un petit peu de trop, il y en a un petit peu de trop. On aura juste à enlever le bas, remettre de l'herbe. Voilà. C'est pas mal en vérité. C'est pas mal, c'est pas mal. Ce qui nous amène donc avec une route qui va repartir par là. Qui va rejoindre du coup ici. Qui va longer cet enclos là. Et probablement ici on aura l'enclos lama du coup. Ici on aura l'enclos lama. Et en plus on a la rivière là qui pourrait amener et rejoindre directement là quoi. Je l'avais oublié. J'avais oublié cette rivière. Ce qui fait qu'ici on aura l'enclos lama. Et ici, on fera l'enclos jaguar. Et on aura fini la zone. Pardon, j'ai mis un casque, un coup dans le micro. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, est-ce que je peux mettre en terrain... Non, allée, pardon. Une allée qui rejoint correctement. En 8. Ici. C'est incroyable, quoi. Passe tellement bien. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Ah, attends. Tu vas m'enlever ça. Tu vas faire ça. Et tu vas rejoindre comme ça. Ce qui fait que toi, du coup, tu peux venir te mettre pile poil comme ça. Ce qui rend la zone beaucoup plus propre. Et toi... Tu vas continuer ton alignement sur la clôture. Comme ceci. C'est excellent. C'est excellent, j'en suis ravi. C'est pas ça du tout. Ça fait plaisir, enfin, une après-midi Planète 2 où tout se passe correctement, quoi. Je vais mettre un alignement sur la clôture ici aussi. Jusqu'ici, et après on verra.
et après on verra. Comme ça. Et toi tu vas venir comme ceci. Parfait, parfait, parfait. Commence à avoir un... Il commence à y avoir un truc là. Avec un lait, un enterrin. Oh, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, on s'en fout. D'autant plus que ce sera certainement modifié. Je sais pas pourquoi je m'embête avec ça. Donc là, la clôture est bonne. Ici, la clôture est bonne. Là, on va mettre du coup tortue. Galapagos. Je vais mettre 2. Puisqu'on a l'autre au niveau de la zone occidentale du coup, et ici c'est tapir 2, et on va amener des tapirs, et on va amener des tapirs. Je vais mettre là dans la zone de travail d'ailleurs, personnel, non pas du tout, si c'est ça, zone de travail Amérique du Sud. Comme ça et comme ça. Bon, que me dites-vous? Il fait l'enclos tapis. Hein. Parfait, la colline est pleine. Ah, j'y suis pour rien. C'est le jeu qui l'a rempli. Donc, et j'en suis plutôt satisfait. Je vais pas te le cacher. C'est très bien. C'est très très bien. Bon, j'amène les tapis. J'amène les tapis. Qu'est-ce qui se passe ici? Animal à soif. Qu'est-ce qu'ils veulent ici? On s'en fout. Tapis. Tapis, ils veulent être 12. 1 à 2. Logique. Tapir, tapir. Tapir the bird. Filtre. Un mâle. Une femelle. On part sur du simple, du classique. On verra plus tard. Pour leur note. Hein, bon, on verra pas du tout d'ailleurs. Pourquoi j'ai un capucin hein, qui est encore là, là. Ah mais oui, c'est Miguel. C'est vrai que Miguel, il y avait un surplus de mal. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est fait. À mon avis, je vais casser un peu l'angle ici. Je vais le faire là, d'ailleurs. Je vais casser l'angle parce que là, c'est pas beau. C'est un tout petit peu plus correct, quoi. J'ai presque envie de dire que, du coup, la porte serait potentiellement mieux. Je sais pas si c'est nécessaire. La porte serait potentiellement mieux ici. Ah, tu veux pas? Non, bah écoute, reste avec la porte là-bas, quoi. Ça me va, c'est pas chiant. Ça me va. Excellent. Amenez-moi mes tapirs, je fais une sauvegarde. Et amenez-moi mes tapirs. Qu'on vérifie l'enclos en lui-même. Et bah du coup, ce sera fait quoi. Play. Et on accélère. Je savais pas quel animal frontière avait mis car j'ai pas le DLC. Ah. J'ai pas suivi la discussion donc. Elle est super sympa ta zone. Bah elle commence à être plutôt correcte. Hein. Je suis assez content en vérité.
Du coup, tu n'as fait aucun enclos comportant capu, ta manoir et tapis. Ouais, non, j'aime bien l'idée de d'avoir un enclos pour chaque, quoi. Il n'y a pas assez d'espèces différentes, quoi. Il y aurait plus d'espèces, je dis pas, mais... Sinon, ça me fait faire qu'un seul enclos, quoi. Une cascade entre tapis et tortue. Ouais. Normalement... Enfin, normalement. C'est ce que j'aimerais bien faire. C'est-à-dire que là, ce serait certainement modifié un peu pour tourner par ici. Cascade qui reviendrait là. Ça pourrait rendre stylé. On passerait au-dessus avec un pont. Ça pourrait rendre bien, quoi. Ça pourrait rendre bien. Mais bon. C'est du détail. Tout comme la rivière là, qui viendra rejoindre ici. Mais entre deux, il faut qu'on fasse l'enclos lama, du coup. Donc, à voir. À voir, à voir. Les tapirs. Pause. Où sont les tapirs? Est-ce qu'ils les ont pris déjà? Ils ont pas pris. Si, ils ont pris? Se promène. Se promène. Se promène. Se promène. Ramasse des... Ah bah voilà, enfin. Mais vous êtes... Hey. Y'a personne qui m'amène mes animaux, là? Ce serait peut-être intéressant de l'envisager, quoi. T'as oublié l'éducation. Bah non, c'est, je le fais une fois que j'aurai mes tapirs, quoi. Allez, non? Mes animaux. J'aime bien les animaux, moi. L'inspectrice arrive. Y'a personne qui veut les amener, là? Pourquoi? Comment ça se fait? Les tortues, ils l'ont fait en deux secondes. Ah, ça y est, Forest. Pas du tout. Attends, je vais les augmenter déjà. Ah, c'est pas mal l'étoile qui devient verte. C'est pas mal l'étoile qui devient verte. Je vais augmenter tout le monde. De toute façon, je suis blindé, quoi. C'est bon. Hein. Mec, en surplus de fric. Un ras-le-bol, quoi. Je suis pas prêt d'avoir de soucis. Normalement, en tout cas. Donc je prends le temps d'augmenter tout le monde. N'oublie pas d'augmenter des employés, bah, justement. Mais ce qui serait intéressant, c'est que... ils se disent, tiens... il nous a demandé de faire quelque chose, ce serait bien qu'on le fasse. J'augmente tout le monde, hein. Peu importe le besoin. J'augmente. Je gagne suffisamment d'argent. Ah, ça coûte des sous d'augmenter. Ça coûte 35, je savais même pas, quoi. 30 ici. 40. Ah, ok. Ah, très bien. Ah, très bien. Bah, écoute... je vais te dire pourquoi pas. C'est une prime à l'augmentation du contrat. Bon, 30 euros, je t'avoue que c'est pas fou comme prime, hein, mais... à la signature, quoi. Mais on prend quand même, hein. 30 euros, ça fait 2 DLC de Planeto, hein. 3, ouais. Plus 3. On est plus proche du 3 que du 2, quand même. Y'en a, ils n'ont pas de boulot en même temps. Je les augmente quand même. Ouais, je suis d'humeur positive. Hein. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. On n'a pas spécialement de problème. Tout fonctionne à peu près correctement. Bah voilà ce qui se passe quand, quand je suis de bonne humeur. Les gens ont des sous.
Il y a trop de vendeurs, par contre, je vais peut-être en virer. Attends, mais il y a combien de vendeurs aussi? C'est incroyable, quoi. Mais pour 15 jours, juste augmenter les vendeurs, quoi. C'est pas nécessaire en plus, hein. Il y en a certains, ils ont même pas de une charge de travail, quoi. Tu sais que si ça se trouve, je vais me ruiner, quoi, même en facile. Juste parce que l'augmentation du salaire des employés sera colossale et que je peux plus faire tourner le zoo. Ce serait beau en même temps. Ok, on est bon. Tout le monde est augmenté. Qu'est-ce que je fais là? J'ai pas vu pourquoi je suis arrivé ici. Play. C'est le prix de la formation. J'avais jamais fait attention en vrai. J'avais jamais fait attention. D'ailleurs, on en est où là financièrement? On gagne des sous? Un animal s'est échappé. Et 63 000, ça commence à être inquiétant. En vrai, on gagne plus tant que ça. Hein, avoir à faire penser à faire attention. Une tortue s'est barrée. Bah, Manuel. Ah ouais? Ah oui, bah oui, effectivement. T'as enjambé le truc, quoi. Non, mais je peux comprendre. Je peux comprendre, Malu. Ouais, j'ai pas de soucis avec ça. On va juste faire en sorte que tu ne puisses plus le faire plus tard. Si ça t'embête pas, quoi. Hein? Et puis tu vas retourner dans l'enclos, tout simplement. Enfin, si j'arrive à te cliquer dessus, quoi. Appelez le veto. Tu vois, ça les inquiète pas en plus, les gens. Ils ont une petite tortue à côté d'eux. Oh, c'est beau. Regarde ça, la petite tortue. Viens, les gars. Y a des Skittles dans vos poches ou qu'est-ce qui se passe? Vite, marchez, une tortue. Ça n'a pas l'air de les inquiéter plus que ça. En même temps, bon, c'est sympa, hein, ouais. Mais pourquoi on n'aurait pas le droit de les laisser. Ah, si, ça y est. Ils ont eu peur d'être pincés. Attends, ça commence à fuir. Capture rapidement là. Ah, je peux pas. Capture en cours. Ah, bah c'est bon en fait. Non, tout va bien. Oh, ça lag tellement, c'est incroyable en réalité. Bon, les tapirs là. Non, il n'y a pas. Bon, de toute façon, à ce rythme là, on va attendre une nuit quoi. Donc on va patienter tranquillement quoi. Dans la vraie vie, les gens seraient autour avec leur téléphone. Bah, pour le coup, ouais, carrément, quoi. Alors, je dis pas quand c'est une panthère qui se barre. Bon, effectivement, là, il y a probablement un peu plus de fuite, quoi. Mais, une petite tortue. C'est sympa, les petites tortues. Bon, pourquoi ils amènent pas, là? Non, non, ils seraient quand même autour. Ah, je suis pas certain, là, pour le coup. Je suis pas certain pour le coup, j'avoue que. Amérique du Sud, c'est bien mis dans la zone de toute façon. Ah, c'est plus dedans. En même temps, mon enclos tortue, il était pas dans une zone et ils l'ont amené quand même, hein, mes gars. Je peux avoir mes tapirs? Ici. Là. Pourquoi ça s'appelle encore Habitat 47 d'ailleurs? Ça peut enregistrer ce que j'ai dit? Qu'est-ce que c'est ça? Ça a enregistré ici? Bon. Nos animaux. Donc on a lama ici. Lama c'est dans la jungle. Dans les montagnes, pardon. Dans les montagnes ça a été un peu plus compliqué. Ça a été un peu plus compliqué. Dans mon zoo il y avait des manifestants pour les punir. Je les ai mis dans l'enclos de lion. Ils se sont vite barrés après. C'est pas possible, c'est normal. Pas censé pouvoir poser des gens en dehors des routes, donc à moins que tu aies mis une route dans ton enclos, sinon c'est peu probable. Bon,
Les varans. On peut pas mettre de guitare. Ah, il y a pas de traitement d'eau ici, effectivement. Là, j'avoue. Après, est-ce que ça me pose un souci personnel? Pas vraiment. Ça m'empêchera pas de dormir. Je vais pas vous le cacher. Pause. Je vais mettre service de l'eau quand même pour que bon l'eau des varans elle soit à peu près service. Oh, ça lag tellement, c'est abusé. Hein. Ah non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. En vérité, j'ai même. Je vais même le mettre ici. Comme ça, je touche les tortues en même temps, à partir de là. Et je touche ici aussi. Ce qui est très très bien. Ce qui est très très bien. Et on va mettre ça dans la zone entrée. Regarde les torches, c'est pas bête ça. C'est pas bête, c'est pas bête. Attends, je vais aller voir. Entrée. Faut voir un petit peu du coup les torches de nuit. Ah waouh, c'est sympa en vrai. Bon, les arbres sont extrêmement humides, donc ils flambent pas, heureusement. Hein. Mais c'est joli. Oh mais non. Caméra. C'est joli. Il y a tellement de monde qui font la queue pour le chouchou. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est... Et il y a des gens qui sont déjà venus là en plus. Donc ça veut dire que les gens y vont. Et ça c'est beau. Bon, on peut avoir nos animaux ? Tapir là ? Ah oui, il en a amené un. Deux peut-être même déjà. Parce qu'il y en a un autre qui parle. Xipili. Est-ce que tu te sens bien? Tu te sens bien, Xipili? T'as besoin de rien de plus. Je verrai peut-être pour t'ajouter un ou deux arbres du DLC. Peut-être là. Mais en attendant, je vais déjà appeler un soigneur. Et je mets play, on attend qu'il fasse jour. On attend qu'il fasse jour. Le fait d'avoir en plus la zone empoilée centrée fait que je suis aussi vite à chaque enclos, quoi. Dans chaque enclos, quoi. C'est vachement bien aussi ça. Ce DLC on voit tellement plus que celui d'Arctic. Ouais, on en a déjà parlé, quoi. Malheureusement, le DLC Arctic est soumis à la neige, quoi. Donc effectivement, à partir du moment où tout est blanc. Bah c'est limité quoi. En vrai ça fait stylé hein, quand tu vois là. Hein. Ça fait stylé. Le temps passe là. Le soleil passe pas. Le soleil passe pas. Bon. Derrière ce qu'on fait, j'en sais rien, en vérité. J'ai 600 000 déjà, donc il va falloir peut-être penser à dépenser. On va peut-être essayer de fermer un petit peu la zone officiellement. Via une construction. Ah tiens, on va peut-être aller voir sur le workshop. Parce que là, ça fait un moment que le DLC est sorti, ça fait une semaine. Il y a peut-être des... commence à peut-être avoir des temples perdus sur le workshop. Si je peux me... Par contre, ça, une mise à jour, ce serait pas mal. Si je peux utiliser éventuellement un... une construction pour fermer la zone, ce serait quand même plutôt cool. Il faudra qu'on mette les bancs, les dons, etc. Les informations ici. Pour que ce soit fait pour les tapirs. Et après, bah, on sera parti sur les deux dernières espèces. Enfin, sachant qu'on a vivarium aussi à mettre. On pourra peut-être mettre un vivarium à la limite là. On mettra peut-être le vivarium de la grenouille aux yeux rouges là. Y'a quoi comme délai d'attente pour le chouchou? Aucune idée. Bon, les gens montent et descendent, non? Ouais, ça monte.
Oh, c'est juste que tout le monde veut le prendre, quoi. Tout le monde veut prendre le chouchou. J'irais presque jusqu'à dire que je pourrais potentiellement encore ajouter un train, quoi. Faut voir financièrement quand, où j'en suis où avec ça, là. Je gagne 9000. Je pourrais presque mettre encore un train de plus, quoi. Tellement il y a de monde, là. Mais bon. Je vais plus m'embêter avec ça, vu que financièrement, on s'en sort. Le soleil se lève. Julien, bonjour. Le soleil se lève. On va pouvoir réenchaîner et aller voir sur le workshop un petit peu tout ce qui a été fait pour fermer cette zone. Il faudra qu'on voit ce qu'on fait ici aussi. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas une attraction. Enfin, vous allez me dire, bah si, t'as les trains et autres. Non, mais genre un petit manège, quoi. Un petit manège, les tasses. Ou autre. Ce serait cool en réalité. Je pourrais mettre un petit manège. Les gens seraient heureux avec un manège. Toi, si t'es. J'en sais rien. Si ton fils il veut pas aller voir les tapirs parce que oh, c'est pas beau les tapirs, bah tu le mets dans le truc de tasse ici et puis toi tu vas voir les tapirs. Puis tu viens le rechercher. 2 mois pour que le soleil se lève. Ah écoute, on est en Scandinavie, hein, donc forcément quoi. 9 janvier, allez, il fait 21, mais demain il neige. Hein. Ou une ferme. Ah ouais, la ferme. La ferme à animaux. Enfin, bébé, animaux, jeunes animaux là. Bon, par contre, la neige va me poser énormément de soucis parce que j'ai oublié de mettre la température dans mes enclos. Donc on va regarder ça. Normalement, j'en ai pour les tamanois. Ça, c'est fait. Mais je suis pas sûr d'en avoir mis pour les capucins. Ah bah si, j'en ai ici. J'en ai parce que c'est des enclos que j'avais pris de là-bas. Donc, tout va bien. Mais il y en a pas pour les capucins, effectivement. Et les capucins, ils vivent à combien de température, hein? 17 capucins de Sapajou. Température optimale. Entre 12 et 42. Oui, donc un 0, c'est pas fou, quoi. Un 0, c'est pas fou, quoi. Habitat. Permets-moi de te mettre un peu de chauffage avant l'arrivée de la neige. Attends, je vais faire ça. Si je fais ça. C'est à 30. Je vais te rentrer dans le sol. Et je vais te dupliquer. Duplication. Et je vais en mettre partout. Parce qu'on va avoir le même souci. Alors dans l'eau, pour le coup, c'est pas une obligation, hein, puisqu'ils y vont pas. On va avoir le même souci sinon qu'avec nos espèces en Arctique. Et c'est pas fou. Normalement, tout doit être en dessous du niveau... enfin, à part là, quoi, pour le coup. Ok. On est bon, on est bon. Bon, bah, la neige qui va nous refaire perdre un peu de temps, quoi. Tu gagnerais plus sans la file d'attente ? Mais plus de wagons. Un wagon, je peux pas, je suis limité avec la taille des gars. Mais je peux mettre plus de trains. Ah bon, après. C'est plus un souci, quoi. Les animaux peuvent mourir de froid, ouais, normalement, ouais. Mais bon, faut certainement être dans une région différente. Parce que moi, je suis en région tempérée. Et du coup, le froid et la grosse chaleur ne durent jamais suffisamment longtemps pour que les espèces meurent, quoi. C'est juste que. Ils vont se plaindre de pas être en température optimale, quoi. 7 février, attention, ouais, c'est mon anniversaire, 208. 208 ans. Incroyable. Je suis encore frais, mais incroyable. Bon,
Là, les gens vont dire, oh, il fait un petit peu froid. Ouais, écoute, mets un pull, hein, qu'est-ce que je te dis? Il neige. Il fait moins 2. Tu mets un petit pull d'été, là, c'est bon, hein, tu tiens avec moins 2. Il y a du vent, bon, s'il y a un peu de vent, tu mets un pull d'hiver, quoi. Les nénuphars sont gelés. Et c'est là où c'est beau, ici. Eh, il y a quelques petites personnes quand même. Bon, personne. Ouais, bon, il y a 5 pleu-pleu qui vont voir les trucs, quoi. Mais bon, cette zone-là, elle va probablement mieux fonctionner au moment où j'aurai commencé la zone Afrique ici, quoi. Il y aura plus de gens qui viendront, je pense. Parce que là, c'est vrai que c'est une zone globalement vide. La zone arctique. Bah, c'est l'Arctique en même temps, hein. Il y a quelques personnes, hein. Il y a quelques personnes. Quand même. Oh la vache, on voit rien, quoi. Bon. Jaguar, inspire-toi du tigre du Bengale, c'était magnifique. Ouais, probablement. Ouais. Je vais certainement repartir sur un truc dans le genre avec un temple perdu au milieu de la jungle. Peut-être pas au fond, mais en tout cas, peut-être au milieu, ouais. Au milieu de l'enclos. Ça va être sympa. Bon. Le soleil s'est levé, malheureusement, on a full neige. Et je t'avoue que pour construire un truc tropical sous la neige, c'est pas fou. Hein, on est soumis aux conditions atmosphériques, hein. C'est un petit peu la réalité. On est obligé de s'adapter avec le temps qu'il fait. Ça y est. Les nuages arrivent. Faut qu'on remonte au-dessus de 2-3 degrés, histoire que la neige fonde. Et après, on pourra repartir. Non? 28 mars. Parfait. Pause. On n'a pas besoin d'attendre plus. Alors. Je vais même faire une sauvegarde, comme ça, ce temps est passé, on est sûr. On va mettre un petit peu toutes les informations sur le tamanoir. Tapir. Et les bancs et autres dans le coin, quoi. Ce qui nous permettra, derrière, d'enchaîner tranquillement service, information. Alors, normalement, j'ai déjà des haut-parleurs pédagogiques. Hein. Ouais, j'en ai là. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je vais le mettre ici. Parce qu'il n'y a pas besoin de le mettre de l'autre côté. Comme ça. Tapir. Je le mets comme ça. Il y en a deux ici. Le tapir, que subit le tapir ? Que subit le tapir ? T comme tapir. Principale menace pour cette espèce de déforestation qui détruit son habitat. Boum. Ceris. Je vais mettre ça au fond, ici. Déforestation. Comme ça. Et on va mettre des bancs, des poubelles et du don, bien évidemment. Du don. Faites des dons. Je vais mettre mon vivarium ici. Il devrait y avoir pas mal d'espèces en plus en vivarium. Amérique du Sud. Non mais c'est vrai. Parce qu'ils ont ajouté des grenouilles, mais il y en avait d'autres, hein, déjà. Ah ouais, attends, il faut que je pense à ça. Hein. Un espace vivarium, hein.
C'est important. C'est important. Bon, tu t'assois pas là, c'est pas très grave. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, on a tout ce qu'il faut. On a les... Ah non, on n'a pas le don. On n'a pas le don. Enfin, les dons. Et je vais mettre un distributeur de billets. Je vais le mettre ici. Ah non, je vais pas en mettre un là parce que là, ici, je... en fait, là, il va y avoir des magasins là. Le banc va bouger. 15 virium, je crois, c'est beaucoup trop. Pour... On va compter. On va compter. Où vivent-ils? Alors, 1. 2. Ah oui, il y en a beaucoup. 3. Ah oui, oui, c'est vrai que... Ouais, ouais, ouais. Bon, après, il y en a certains que j'ai déjà mis, hein. 4. Ah bah attends, mais Crotal, j'aurais pu le mettre en Occident, oui. Amérique centrale et du Nord. Bon bref. 4. Cinq. Oh. 6. 7. 8. 8. C'est pareil, lui, pourquoi je l'ai pas mis? Je les ai oubliés en Occident. 9, 10, 11. 12. 13. 14. 15. 15, c'était bien ça. C'est ça qu'on m'avait dit. Je crois que c'était ça. 15 vivarium, ça fait beaucoup, effectivement. Du coup, je vais pouvoir en mettre un peu là. Et je vais en remettre un peu là, un peu tout le long ici. Plutôt que de mettre full magasin. Il va y avoir des vivariums un peu partout. Il va y avoir des vivariums un peu partout. C'est très très bien, ça, au final. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Copie-colle les dons. Ouais, c'est pas bête. C'est beaucoup trop, ça prend un temps fou pour vendre les petits. Bon, après... Hein. Allez, donc, je vais copier-coller. Je vais copier-coller. Je sais plus où j'avais mis. Comme ceci. Bon, j'allais faire un check sur le workshop, vite fait. On va aller regarder ça ensemble. Voir ce qui a été construit éventuellement en temple. Ou rien, hein, c'est possible. Hein. C'est possible qu'il n'y ait rien. Workshop. Workshop, je vous affiche ça. Tac. Est-ce qu'on a la possibilité de prendre le dernier DLC? Ah non, il n'y a pas la possibilité de prendre le dernier DLC. Les plus abonnés, les plus récents. Ouais, ouais. Oh, c'est fort, ça. Hein. C'est trop bien, ça. C'est quoi, ça? Oh, c'est incroyable. Oh, c'est du génie, ça. Oh là là, c'est tellement bien, ça. Jamais j'aurais pensé à faire un truc pareil, quoi. C'est trop fort, quoi. Panda, Yin et Yang. Ouais, c'est propre aussi. Hein.
Chapeau. Chapeau, chapeau. Je sais pas s'ils sont pleinement satisfaits de ce full roche, mais. Mais je. Oh là là, mais c'est tellement fort, quoi. Non, mais tu vois, mais mes enclos à côté, c'est tellement ridicule, quoi. Rien de dingue. C'est fou, hein. Cimetière des éléphants. Oh, c'est le roi lion, quoi. C'est un petit peu ce que j'avais. J'étais parti sur ça. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que je recherche, pardon. Alors, du coup, temple. Temple. Temple à volerie. Mère Luca Pack. J'aime bien l'idée. Pour enclos d'Amérique du Sud ou en décoration temple à volerie. Je vais le prendre. Je vais le prendre parce que le, moi c'est le mur hein, qui m'intéresse. Hein. C'est le mur qui m'intéresse. Ce serait bien de pouvoir mettre Amérique du Sud quand même. Hein. Ce serait bien de pouvoir mettre Amérique du Sud quoi. Parce que si je mets South America. Temple d'ailleurs c'est. C'est avec un E en anglais? C'est pas avec un A? Maya Temple. Ça m'intéresse. C'est avec un E. Il me semblait que c'était avec un A, donc bon. Temple Rune. Oh, attends, ça c'est bien ça. Ça, je prends ça. Ça, c'est de la déco, ça. Ça, c'est de la déco qu'on apprécie, ça. Sympa. Sympa. Je vois pas où je le mettrais, mais sympa, en vérité. Très, très classe, même. Très, très classe, même. Oui, d'accord, mais bon, c'est un mur quoi. Hein? Ou alors il faut une meilleure image quoi, parce que sinon. Bon, je j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de trucs pour l'instant. Je vais mettre en transe peut-être éventuellement. South America Temple Archway. C'est pas mal ça. Je vais faire une combinaison de plusieurs trucs. Si je mets en transe là. Je l'avais vu là. Zoo en transe. Rune Temple. Waouh. Ah oui, d'accord. On est encore à un tout autre niveau quoi. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ça. Ah oui. Je prends! Je prends, je prends! That's why I will try to build a temple damage. Ok, bah j'ai pris. J'ai pris, j'ai. C'est plutôt stylé. C'est plutôt stylé. Stylé, pardon. Bon, ça a l'air d'être correct. On va regarder ce qu'on a. Et on fera un bilan. Et on fera un bilan de qu'est-ce qu'on utilise. Si je mets pack. Ça a l'air d'être à peu près ça. Pourquoi ici je peux pas? Je ne sais pas. Alors fais voir un petit peu ça. Room toilette là. C'est vachement bien ça. Ça à mon avis ça va partir ici. Hein. Ah ouais, c'est vachement bien. Il y a des toilettes déjà là, mais. À la limite, ici je virerais, je mettrais un vivarium et je mets les toilettes là. Hop, c'est décidé. C'est décidé.
Parfait. Ça, c'est mis. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, fait voir un petit peu. Ah oui, c'est grand quand même. Ah, le mur est un peu trop épais. Le mur est un peu trop épais. Ça, je le prends pas. Je vais le laisser au cas où. C'est très gros aussi. Parce que moi, ce que je veux, c'est mettre un truc ici. Ah, c'est que c'est presque parfait. Le chemin de fer, on s'en fout. C'est un truc comme ça que je veux. Et ça. Oh là, c'est... C'est grand, quoi. C'est grand, quoi. Et du coup, l'autre, on sait combien il coûte? 26 000. Oula. Ah oui, d'accord. Ah, il y a des points de pop. Non? Non. Alors, est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait des points de pop, hein? Parce que s'il y a des points de pop, moi, je suis au bout du rouleau. C'est des points de pop, ça? C'est pas des points de pop. Si? Point de pop. Non. Sauvegarde. Je vais aller sur bac à sable. Et je vais prendre ce qui m'intéresse sur ça. Parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent. Je vais aller en bac à sable. Je vais refaire un plan avec ce qui a été fait. Pourquoi pas de point de pop? Bah là il y en avait 2-3 et j'en veux pas à cet endroit là quoi. Ça m'intéresse pas. Je suis à l'entrée du zoo donc je vais pas mettre des points de pop là quoi. Bonjour messieurs. Je vais très bien, j'espère que tu vas bien. Bon. La petite ruine là qui s'est écrasée sur le devant, ça me plaît. Je pense que je vais prendre au moins ça. Et après, on va combiner. Parce que j'aimerais en vérité faire un... J'avais déjà dit, mais... Faire un temple... Enfin, un temple, c'est même pas un temple que je vais faire. On pourrait partir sur là. Pour se rappeler un petit peu le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Pour se rappeler... Pour... Voilà quoi. Vous avez compris de toute façon. Non ? Moi j'ai compris. Pause. Tout ça c'est constructible ça. Oh là, c'est fou en vrai. C'est fou en vrai ça. Ça c'est un sacré. C'est une sacrée zone ça. Bravo. Bravo, hein. Non mais je vous le dis. DLC. Alors du coup, ça c'est viré, ça c'est viré. Toi l'épaisseur elle est parfaite. Oh, une telle patience, pff, tu sais que je suis incapable de faire ça moi. J'aurais tellement pas la patience. Oh, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et du coup, je vais prendre... Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Ah, le sol me plaît. Ah, non, mais le sol ne me plaît pas. Le sol me plaît? Est-ce que le sol me plaît? C'est grand, ça, hein? Ah, c'est tout un plan. C'est si fluide, tu m'étonnes. Donc, ça, non. Ça, non. Ça, non. Et ça, non. Le reste, je le veux bien. Le sol, je le prends pas. C'est pas très grave.
Je vais prendre ça. J'ai presque envie d'aller gratter. Attendez, je vais gratter un truc. Enfin, gratter, façon de parler. Attendez, je recommence. Ah non. C'est pas si grave. Non mais... Mais non. Ça, je veux pas de ça. Hein? Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça, je peux le prendre en vérité. Avec du coup ça. Et ça. Ça me ferait tout un mur, quoi. À peu près droit, quoi. Bon, après, c'est pas le plus long. Bon, c'est pas le plus long à faire. C'est pas le plus long à faire. Je vais juste prendre ça. Ça, c'est fort. Hein. C'est incroyable, ça, implanté. Ça, je le prends. Je vais l'enregistrer comme un plan. Ça se trouve, ça va être dégueu, hein, c'est possible. Entrée. Tropical. Ça se trouve, ça va être dégueu. On s'en fout. Je l'ai. C'est juste pour... C'est juste pour voir. C'est juste pour voir. Alors, franchise. C'est pour les lamas. Non, non, non. C'est pour l'entrée. L'entrée de la zone à Amérique du Sud. Bon, on est reparti pour 20 minutes de chargement. Très, très bien. Maintenant que tu brasses dans l'argent, tu as remis la nourriture 3 animaux. Non, pas encore, Drix. Pas encore. Pas encore, et est-ce vraiment nécessaire? Telle est la question. Bonjour, Deadpool. Pour devenir VIP, il faut faire quoi? Il faut être présent, Deadpool. Mais de toute façon, faut pas chercher à le devenir, parce que je vais pas changer les VIP tout le temps. Donc, la prochaine fois, si ça se trouve, ce sera dans 6 mois. Donc voilà. Quoi. Donc voilà. Alors, le chargement. Tellement long ce chargement. Donc là, on va regarder ça, voir si on peut faire un minimum une entrée. Avec un certain style, histoire de séparer officiellement l'entrée, enfin la zone de base de l'entrée du zoo, de la nouvelle zone Amérique du Sud. Et il va certainement falloir modifier le tracé du train, une fois de plus, j'ai envie de dire. C'est pas très gênant, ouais. C'est pas très gênant. Non, c'est pas gênant. Je pourrais toujours le faire. Posez. Alors,
On a des soucis, c'est pas très grave. Fais voir un petit peu. Oh, c'est tellement moins fluide. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. L'entrée serait donc ici. Ce que j'ai pris, en tout cas. Serait donc ici. Non ? Là. Est-ce que ça aurait... Oh, si, ça pourrait avoir un style. Oh, ça pourrait être pas mal en vrai. Ça pourrait être pas mal en vrai. Si je l'inverse. Bah non, inversé, c'est bizarre. Si, ça pourrait être un... Ça pourrait être pas mal. Non? Si. Si, si. Si, ça pourrait être bien. Ça pourrait être pas mal du tout. Avec l'ouverture ici pour la route. Faudrait que je le décale un peu plus. À la limite, comme ça. Donc, il faut que je décale la route. Enfin, le chemin de fer. Bon, les gens passeront un peu à travers, mais c'est pas très grave, en réalité, ça. Et ce qui nous fait officiellement rentrer dans, dans la zone. Je vais partir sur ça, je pense. Je vais partir sur ça. Alors, du coup. Excusez-moi, l'attraction, je ferme. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Et je vais enlever ça. Le temps de poser mon entrée, du coup. Plan. Ouais, c'est pour toi, ça. And you have you found the update so that the animal can drink and stop dying, Planet Zoo? We are aware of the issue and are developing a working solution if you would like to help in your energy. Ouais, bon, après, j'avoue que je vais pas. Je vais pas. Je vais pas leur envoyer ma sauvegarde. Hein. Ils ont des soucis, ils se démerdent. Tant pis pour mes animaux. Moi, ils m'ont mis le mode facile, c'est tout ce qui compte. Hein. Merci beaucoup, Epsilon, pour l'information. Ou alors, ils ont qu'à me sponsoriser. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Ils me disent, ah tiens, merci pour tout ce que tu fais. On te file des sous, tu nous files ta sauvegarde. Ok, allez, en avant. je vais me mettre comme ça. Je vais décaler certainement celui-là. Je vais supprimer ça. Et en vérité, je pense qu'on sera pas mal ici. Cet accent, ouais, ouais, je cherche pas à mettre d'accent quand je vis comme ça, quoi. J'aime bien le CM qui lui dit surtout, bah tiens, notre email, aide-nous au lieu de te plaindre. Ah bah, oui, pardon, j'avais pas fait attention à ça. C'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Si c'est celui où, hein? Tu viens de le mettre. De quoi, comme ça? Attendez. Ça, c'est quand même ultra stylé, hein. Bravo. Bravo. Non, mais vraiment. Hein. C'est fou, ça. C'est incroyable, en vrai, ça. Du coup, j'ai supprimé juste ça. Ah bah ça aussi du coup. C'est bon. Toi j'ai juste décalé un cran. Comme ceci. Et on est très très bien en vérité. Et on est très très bien. Ce qui fait que derrière, il faudrait, potentiellement, voyons. Attendez. Il nous faudrait potentiellement
C'est comment ça derrière? C'est pas mal ça derrière. C'est que je pense que je vais mettre ça. Je pense que je vais mettre ça en vérité. Ça permettrait de fermer. Ici, je vais mettre un peu de terre, etc. Et je vais accumuler plusieurs morceaux de mur comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas en vérité, hein. Là, on a quoi là? Ça, c'est un peu large, quoi. C'est un peu dommage. Ça peut le faire aussi, hein. En venant boucher. Celui-là, le mur, l'arrière du mur est trop simple. Alors, vous allez me dire, bah, mais du lierre et autres. Oui, bah écoute, non. Et celui-là, l'arche est belle. Et je pense que cette arche-là sera l'arche qui mènera vers potentiellement une nouvelle zone. Plutôt que de remettre ça. C'est tellement stylé, ça, c'est incroyable en vrai. C'est incroyable en vrai. Ici, ah, attendez, parce que là on voit rien du tout. Ici, la question c'est est-ce que. Non, bah, ici j'ai rien à mettre en vérité. J'ai rien à mettre. On lève les toilettes dedans. Ouais, ouais, bah j'hésitais. Non, j'hésite en vrai, parce que soit je vais remettre des toilettes là, parce que c'est pas gênant, hein, il y en a d'autres là-bas au bout, donc on peut en avoir ici. Soit, si je multiplie, je vais mettre des magasins aussi ici. Voir, ouais, si, des magasins. Tu vois, en remplaçant les toilettes par les magasins, hop. Comme ça, bon, je sais pas, à voir. Et entre deux, je pense que je vais mettre ça. Ce qui fait qu'on aura tout un semblant de mur. Et puis après, je ferme avec... on verra, quoi. Taper quoi pour le trouver? J'ai marqué Temple Amérique du Sud. Mais sinon, c'est ça. Runen Temple Entrance. Ah ouais, j'avais coché entrée. Enfin, entrance, quoi, du coup. Si tu parles de ça. Si je fais, du coup, éventuellement ceci. Est-ce que je peux, déjà? Est-ce que je peux lisser, là? Bien, tu fais les discussions tout seul maintenant, même plus besoin de nous. Moi? Je sais pas. Ah ok. Ça c'est un peu chiant. Est-ce que du coup on a envie de le changer? Non. Est-ce que ici on peut... Non plus. En vrai, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. C'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Mais c'est pas mal, quoi. Donc, pourquoi pas. Bon, je vais mettre et on verra bien. Si je mets ça, que derrière j'ajoute ça. Je peux très bien tourner en plus. Attends, mais j'ai pris la même chose. Pardon, j'ai pris la même chose. C'est ça que je veux.
minutes, je le monte. Le train passerait là-dedans ? Oh, quelle idée ! Non, il passera pas. Attendez. Train ! Il passe. Le train passe. Le train passe. Ok. Changement de plan. Changement de plan. On va faire passer le train là. Du coup, l'ouverture, elle sert à quelque chose. Je vais... Changement de plan. Est-ce qu'on est obligé de changer de plan? Faudrait que tu mettes plein d'arbres pour faire la jungle autour des temples. Ouais, forcément. Forcément. Ton mur, ta manoir, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour Mathis. Parce qu'en vérité, moi, à la base, je voulais en hauteur, quoi. Si je mets un truc comme ça... Attendez, je réfléchis. De toute façon, il faut réfléchir. Non? Si je mets un truc comme ça. Que je fais monter le terrain. Un peu trop, oui. Ah, c'est sûr que de ce côté-là, c'est surprenant, quoi, du coup. Je descends tout d'un cran. Là, je viens faire passer le train dedans. Je sais pas ce que je fais en vérité, je suis en train de vous le dire. Avec une honnêteté déconcertante. Je ne sais pas ce que je fais. Je vais chercher l'inspiration. Arrivera-t-elle un jour? Je ne pense pas. Comme ça, là en bas, là je continuerai un peu sur cette hauteur là, peut-être à la limite en changeant un peu la hauteur. Et je mettrai les toilettes et autres, enfin les toilettes sans mettre les toilettes quoi. Ce qui permettrait de continuer d'avoir des morceaux de temple perdu quoi, en fermant jusque là-bas. Et là le train passe là et revient par là. J'aime beaucoup, c'est beau. Vous aimez bien vous? Après, forcément, là, faut pas regarder le terrain en lui-même. Hein. Le terrain est dégueu. Mais... Si je décale un peu, d'ailleurs. Faudrait que je vois comment... De toute façon, ici, il faut que j'augmente le terrain automatiquement. Parce qu'il y a des débris. Derrière, si je mets du mur, enfin, la roche comme ça. Est-ce que ça choque ?
pas tant que ça, hein. Pas tant que ça, hein. Reprends-le pour fermer le... Tamanoir, je vais pas le fermer. Il est bien, mon truc Tamanoir. Attendez, je vais faire passer le train déjà, on va voir. Est-ce que je peux y aller de là? Non, je pourrais pas y aller là. Ça va pas être facile. Hein. Passer une dent risque d'être plutôt compliqué. Ça va peut-être être extrêmement compliqué. Ça joue pas grand chose. Hein. Ça joue pas grand chose. Hein. Si je fais ça. Derrière, je tourne. Je grimpe. Je tourne. Je grimpe. C'est moi ou ça n'a rien joué? Oh, ça joue rien. Je décale tout. Je peux tout décaler. Hein. Ça fait bien, j'aime bien. Attendez, si je décale. Ce serait pas gênant. Ce serait pas gênant en vérité. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai modifié le tracé. Oh! Ça passe. Ça passe. Ah, ce qui est dommage, c'est qu'il y a la petite bosse. Ah, attendez, la question c'est potentiellement si je prends de là-bas. Et que je l'amène. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir... un truc intéressant. Pour atteindre la hauteur. Directement. Cette hauteur-là, elle est correcte. Si je fais finir auto. Impossible de terminer. Pas de souci, pas de souci, y a pas de souci. Y'a aucun souci. Permets-moi de tourner. Ah, il faut tourner plutôt. Oh, l'angle va être tendu en vérité. J'ai l'impression que ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Pars du dedans et tu rejoins en bas. Comment? J'ai pas compris, Epsilon. Pourrais-tu me faire visiter ton zoo? Bah attends, je suis un petit peu occupé quand même. Si je décale par là. Pour revenir après. Là, ça veut pas. Pardon, oh, excusez-moi. Ah, je l'ai dit tout à l'heure, le nez chatouille, j'ai tenu un peu, mais... Ici, on remonte. Ça passe sur une fraction de seconde.
Ça passe sur une fraction de seconde, merci pour les tes souhaits. Ça me choque pas que tu puisses passer dedans vu que le décor ne gêne jamais le passage. Ouais, c'est pas faux, mais faut juste que j'arrive à trouver le bon angle, quoi, du coup. Et là, là, on a un problème de... Mais attends, mais... Je peux descendre ici, là, encore un peu plus ou pas du tout? Alors là, je suis surpris, là. Je suis trop bas? Je suis trop bas par rapport à la route? Merde. Ça m'arrange pas non plus, hein. M'arrange pas non plus, hein. Pourquoi ça passe pas là? Qu'est-ce qui gênerait là? Est-ce que c'est la terre là? Non mais sinon je vais juste gratter ça en vérité. C'est pas si grave ça. Je peux creuser un peu ça. En vérité je suis même pas obligé que ce soit pile droit. Hein. Parfaitement faire ça. J'ai pas besoin de poser les rails dessus, quoi. Je m'embête. Je me trompe. Ah, attends. Là ça veut pas parce que ici c'est trop droit. Ah non c'était bon. Là ça veut pas parce qu'ici c'est trop bas. C'est un joueur à rien là. Bon alors attends. Ça va redescendre. Ah ça joue à rien. Ça joue à rien quoi. Tu cales le porche vers l'autre entrée. Je t'embêterais moins en déplaçant d'un centimètre le bâtiment. Bah c'est pas le bâtiment qui gêne là, c'est la route. Je suis trop bas par rapport à la route quoi. Bon attends, au pire je suis passé. Ça veut dire. Au pire je suis passé. Bon. Pourtant c'est que ça passe. Pourtant c'est que ça passe. Et ici l'angle a un petit souci. C'est pas grave. Oh. C'est n'importe quoi. C'est vraiment juste le petit truc qui gêne quoi. Ça y est. Ah et donc on s'est galéré quoi. On s'est galéré. On sait pas si choquant en plus.
Attendez, que j'arrive à avoir une vue un peu plus. Si t'es là, là. C'est pas si choquant. C'est pas si choquant. Bon, c'est sûr que si tu viens te poser là. Bon, avec le train juste au-dessus, tu vas avoir peut-être un petit peu de mal aux oreilles, mais sinon ça passe, quoi. Quelle galère! Bon, est-ce que ça me plaît au moins? Parce que si ça me plaît pas, c'est enlevé. Alors. Ici. Ça, c'est pas gênant. Ça. Je peux pas. Attendez, modifier le plan. Allô? Ok. Terrain. Comme ça. Et ici, du coup, on va allonger un tout petit peu pour que les fleurs ne volent pas. Comme ça. Eh bien, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. J'aime bien. Vous aimez bien? Bon bah ça va alors, ça me rassure. Merci. Quitte à ce que ce soit un mensonge, je le préfère. Est-ce que ça c'est bien? Non, ça c'est pas bien. Par contre, un tout petit peu. Comme ça. Et derrière, il va falloir fermer quoi. Si on dit qu'on aime pas, tu recommences. Bah, je vais être obligé. T'as quelques cailloux à droite qui volent un peu. Ouais, là, j'ai vu, ouais, mais bon, honnêtement. À moins que vraiment je puisse. Alors, encore un. Un, ça passe ou c'est trop? Non, en vrai, je pense que c'est bon, quoi. En vrai, ça va. Au pire, tu sais quoi? Si vraiment ça te chagrine, hein, je peux faire un effort. Hop. On n'a rien vu. On n'a rien vu! Très bien, très bien. Bon, c'est comme là, les plantes, au final, hein. Et là, pour le coup, les plantes me gênent un peu. Parce que celle-là. On est bon. Eh bien. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça, quoi. Non, mais ça fait beau. Moi, je suis assez satisfait. Moi, je suis assez satisfait. Je suis assez satisfait. Je suis globalement satisfait. Qu'est-ce que c'est ça? On peut le terrain là. Comme ça. Et je vais mettre de la roche. Comme ceci. Et derrière, il faudra. Derrière, il faudra augmenter. Améliorer. Enfin, mettre. Je vais y arriver. Mettre ça, je pense. Alors, comment je le mets?
Est-ce que je le mets un petit peu en contrebas? Est-ce que je le mets à la même hauteur? Ça, c'est une question, quoi. Ou est-ce que je l'augmente encore un peu pour arriver à cette hauteur-là, là-bas, quoi? Non, je pense que je pourrais le baisser un cran, moi. Ça me permettrait limite d'arriver à ce niveau-là. Ce qui serait pas une si mauvaise idée. Parce que comme ça, j'aurais des toilettes ici. Il y a carrément une montagne qui vole, on est plus à ça près. Écoute. La montagne, elle est jolie. Bon, ici, on verra. Comme ça. Et je vais lisser là. Hein. Et je vais mettre... Au moins mettre ça. Et puis après, je vais m'arrêter là pour la vidéo YouTube. Parce qu'on est à 1h47. C'est un poil long. C'est un poil long. Ce qui compte, c'est de l'arrière, hein, de toute façon. Oh, le freeze. Oh, le freeze qui m'a fait peur. Il va falloir qu'on arrive à mettre quelques morceaux de mur cassés ici, en vérité. Pour combler les deux. Ce serait pas un mal, quoi. Ce serait pas un mal, quoi. Je pose. Derrière, il faudrait que j'arrive à prendre des débris ici pour les mettre là, entre les deux. Et je pense qu'on aurait un semblant de quelque chose. Je vais parfaitement faire ça. Faire ça. Non, c'est trop, c'est trop. J'ai même envie, attends. Bon. Hein? Je suis pas satisfait pleinement. Satisfait plein. Hein? Je me suis pas compris. Bon, c'est l'idée, quoi. C'est l'idée. Mais je vais pas me perdre de temps là-dessus. On va s'arrêter là pour la vidéo YouTube. Faudra qu'on continue. Ça permettra de finir ce coin. Derrière, on aura ça à amener. On aura ça à amener, tranquillement. Fermer officiellement la zone. Et au pire, s'il venait à ajouter une espèce qu'on peut ajouter dans cette zone là, on aura toujours tout cet espace là pour faire un enclos. C'est pas si dégueu. Je fais une petite sauvegarde. Merci beaucoup YouTube d'avoir regardé cette vidéo. C'est Roll Viking sur Planet Zoo. Elle est un peu longue, hein, 1h50. Mais on a avancé. La zone avance. La zone avance tout doucement. En vue du dessus, ça manque encore un petit peu de densité. Parce que c'est censé être une jungle. Mais au final, il manque beaucoup d'arbres ici, là. Hein. Mais ça va arriver tout doucement. Et une fois que j'aurai mis quelques magasins et autres vivarium, je mettrai quelques arbres autour pour décorer. Donc en vrai, ça va commencer à prendre forme tout doucement. Et tranquillement. Et on apprécie.
Merci beaucoup Twitch d'avoir été présent sur cette vidéo YouTube. Merci à la Maja, Guartek, Prince, GTN, Amy Wolf, Tim T-Cool, Glemsart, Big Mark, Ruler, etc. Itachi, bisous tout le monde. Bonne journée à vous. Salut YouTube, à la prochaine pour la suite de cette zone. Et ça, faudra encore le peaufiner parce que je suis pas satisfait de ce que je viens de faire. Enfin, de cette partie-là. Allez, ciao.